Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en deuxième jour du Ramadan pour partager avec vous une boisson rafraîchissante. C'est la citronnade tunisienne. C'est parti! Donc, je commence par bien laver les citrons à l'extérieur car il y en a que je vais éplucher et d'autres que je vais les conserver avec leur peau. Après avoir lavé mes citrons bien comme il faut, je viens éplucher les trois quarts de ma quantité de citron et je viens les couper en quatre. La quantité du citron qui me reste, je viens la couper en quatre et l'ajouter avec sa peau. Je leur enlève juste les extrémités. J'ajoute de l'eau et je fais cuire mes citrons. Je rince la peau de citron que j'ai épluchée et je vais la laisser sécher sur un plateau avec du papier cellophane pour pouvoir la mixer et aromatiser avec mes crèmes, mes génoises. Après 20 minutes de cuisson, mes citrons ils sont cuits et prêts à être mixés. Après avoir bien mixé ma préparation, je viens bien la filtrer. J'ajoute le sucre et je mélange jusqu'à que ça fonde. Et pour bien conserver la citronnade, il faut la garder concentrée dans des bouteilles en verre qui se ferment bien. Avec 1 kg de citron, j'ai pu obtenir 2 litres de citronnade concentrée. Je ferme bien mes bouteilles, j'attends que ça refroidisse et après je viens les placer au frigo pour les conserver. Il faut savoir que la citronnade concentrée, elle reste jusqu'à 3 mois au frigo. Et maintenant j'en profite de vous montrer comment doser la citronnade. Il vous suffit de mettre un fond de citronnade concentrée et ajouter 1 litre d'eau.
faut savoir qu'avec 300 g de sucre, la citronnade reste bien acide et du coup, vous aurez sûrement besoin de rajouter du sucre une fois que vous avez dilué votre citronnade. Vous pouvez également la parfumer avec de la gousse de vanille, du sucre vanillé ou des feuilles de menthe séchées. Assalamu alaikum et à demain, inshallah.